Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors Sandine est là aujourd'hui, donc on va faire la deuxième séance de voyance pure. Hein. Donc j'entends voyance pure, c'est-à-dire que pour ceux qui ont vu ma première vidéo, la première séance, donc j'ai créé, donc là il y a, ça fait un moment maintenant, ça fait pratiquement un mois, j'ai créé beaucoup de sujets, plusieurs sujets, une dizaine à peu près, 15, je ne sais plus. Et je les ai mis dans cette enveloppe. Voilà, donc je vais vous montrer, bien sûr, elles sont dans le même sens. Hein. Voilà comment ça se présente. Hein, si vous voulez, je les mélange. Hein, ça n'a pas d'importance, elles sont déjà mélangées. Enfin, bref, je vais en prendre une au sort. Hein. Voilà, ce sont les sujets qui sont là. Je les mets dans l'enveloppe. Et je vais prendre un sujet et je vais eh bien, essayer de deviner. Hein, je vais me mettre en état justement, en état sous onde alpha, et essayer de voir de quoi ça parle, quelles images on m'envoie par rapport au sujet que je vais choisir. Alors avant cela, j'ai tiré une carte pour me mettre en confiance, pour essayer de voir une connexion avec voilà, l'au-delà. J'ai sorti la carte 6, qui est la matrice cosmique. Et on me parle de créativité. Voilà ce qu'on m'envoie comme message. Pour faire en fait cette voyance. Voilà, donc je vais me mettre en situation comme la dernière fois. Donc essayez de me concentrer, pensez à rien. Et je vais choisir le sujet. Alors, je vais prendre une au milieu. Voilà, j'ai choisi mon sujet, il est choisi. Voilà. Allez. Alors, pour l'instant, c'est vrai, il n'y a rien qui me vient. C'est un petit peu long au départ. Hein, il faut savoir que je ne fais aucune préparation. Je vais enlever mes bagues pour être plus à l'aise. Et on y va. Alors, je vois, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu une montre des années 30, des années 20. Vous savez, c'est une montre à gousset posée sur un bureau, sur une table. Alors, je commence à avoir, ressentir de la chaleur. Alors, donnez-moi les images pour voir ce qu'il y a dans le. Dans le sujet, quel est le sujet de qu'il y avait dans l'enveloppe? Quel est ce sujet? Alors, je suis perturbée parce qu'il y a des travaux là à côté de chez moi et. Oh là là, je ne sais pas si je vais y arriver, mais bon, c'est comme ça, hein, je ne choisis pas. Il y a des travaux dehors chez moi et ça provoque, c'est sans arrêt, ça provoque des vibrations là dans les murs et ça me vient jusque dans vibrer dans la tête. Donc ça ne va pas être évident. Hein. Je vais voir hein, si sinon je ferai un deuxième. Je vais essayer de pousser plus loin, mais sinon je ferai une deuxième séance parce que là. Alors, le sujet de l'enveloppe.
le sujet de l'enveloppe. Je ressens une émotion. Je ne sais pas pourquoi, je vois des mains qui se lèvent, une émotion. De l'émotion en premier. Donc on avait tout à l'heure la montre à gousset. De l'émotion, des hommes qui lèvent les bras. Des hommes ou des femmes, je ne sais pas, je vois des silhouettes qui lèvent les bras. Puis je vois aussi un chapeau de cow-boy, je ne sais pas pourquoi. Ça me fait rire parce que je ne m'attendais pas à ça. Je vois des cow-boys à cheval. Il y en a un, c'est un shérif, ou je sais pas, il a un uniforme un peu plus important que les autres. Il doit être un gradé par rapport aux autres. Je les vois s'avancer comme s'ils avaient une mission. Je vois aussi un coup de feu, un canon. Depuis tout à l'heure, je sens que, je sais pas, j'ai du mal à déglutir quelque chose. Pas un dégoût, mais quelque chose qui est dans ma gorge et que je ne veux pas que ce soit dans ma gorge, c'est désagréable. Je vois aussi un visage avec un nez aquilin, très long, comme si c'était quelqu'un d'une autre époque. Je sais pas, je vois des os aussi, des os. Comme si on retrouvait ou on trouvait des cadavres. Ça c'est macabre ce que je vois, hein. Je sais pas pourquoi je vois ça. Je vois aussi un diamant, je ne sais pas pourquoi, une pierre précieuse hein, qui brille. Hein. Mais elle est blanche en fait, quelque chose qui est lié à soit du cristal, soit de. Je ne sais pas. Ça a l'apparence du cristal. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info encore là par rapport au sujet? Je vois une femme avec un grand chapeau s'avancer aussi. Elle est, c'est une autre époque tout ça. Hein. Je la vois avancer. Elle est sur soit un cheval, soit un autre animal. Je ne sais pas. Elle est assise. Elle est assise en, je sais pas comment on dit, en Amazon. Quand on est sur le côté, c'est l'Amazon, je crois. Voilà, elle a les deux jambes sur le côté du cheval. Du cheval, enfin, en tout cas c'est une monture, je ne suis pas sûre de si c'est un cheval ou autre chose, mais c'est une monture. Donc j'ai vu la Vierge Marie, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu la Vierge Marie apparaître. Les enfants aussi, le baptême. Alors voilà, j'ai beaucoup d'informations comme ça, mais qui arrivent comme des balles. Hein. Je suis désolée, il n'y a pas de... On a l'impression qu'il n'y a pas de lien entre tout ce que je vois, mais certainement que si, mais c'est comme ça qu'on m'envoie les informations. Alors j'ai toujours ces vibrations, là, les travaux, là, c'est pénible. On croit que c'est fait exprès. Bon, je sens l'énergie hein, très forte hein, du sujet. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très très important, très fort. Un œil qui s'ouvre, l'autre qui se ferme. Je vois un raz-de-marée, c'est drôle. Un raz-de-marée, alors ça peut être une image symbolique, hein, mais c'est un raz-de-marée. Il part de gauche à droite. Comme si c'était une toute puissance ici. Un grand raz-de-marée.
une habitation en feu qui brûle légèrement. Comme une catastrophe ici. Si la nature avait repris ses droits. Je vais me mettre un peu en arrière hein, pour voir un petit peu si j'arrive mieux à voir. Je vois un endroit de désolation en fait. Je viens de voir un endroit où tout avait brûlé. Tout était brûlé. Il reste seulement des cendres, quelques branches comme ça. Et il reste de la fumée qui sort de tout ça. C'est comme quelque chose qui avait brûlé, que c'était la fin de tout ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on me parle d'endroits, d'un pays où il y a rien comme le désert par exemple, la sécheresse. Voilà, donc maintenant je vais me concentrer sur peut-être le futur, maintenant que j'ai mis des mots sur ce que je voyais. On va aller regarder justement ce sujet dans le futur. Je vois des montagnes et des couchers de soleil. Je vois des choses qui changent ici. Des paysages changeants. De la fumée encore, je ne sais pas ce que c'est ça. Je vois de la fumée. Un endroit. Une embouchure de quelque chose et de la fumée qui sort. L'avenir. Alors, je vois un genre de personnage dessiné comme hiéroglyphe, comme un animal qu'on voit dans les hiéroglyphes. Je vois ça. Un dragon qui crache du feu. Alors, certainement, ici, ça ne me parle pas vraiment un dragon qui crache du feu, mais. C'est certainement un symbole. Donc ça, je vois dans l'avenir. Alors, encore un peu, je vais encore attendre quelques minutes pour voir si j'ai d'autres images qui me viennent pour le futur de ce sujet. Oh, je vois un endroit où il n'y a pas beaucoup de civilisation, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, j'ai l'impression que c'est un endroit que c'est rural. Je vois des enfants pieds nus avec des chiens un petit peu sauvages, enfin sauvages qui ne sont pas adoptés. Je vois un endroit comme ça, un peu livré à lui-même. Et en même temps, une joie de vivre. Il y a de la joie de vie, je sens l'ambiance assez joyeuse. Voilà. Voilà. Eh bien, on va regarder le sujet de l'enveloppe. J'appréhende. Ah! Que devient la politique en France? Bah écoutez, j'espère que mes images vont parler par rapport à cette question. Alors, c'est vrai que retenez quand même les images, certaines images comme des symboles
hein, comme des. Ça a une valeur symbolique. Hein. Donc je vais réécouter. Hein, je vais réécouter avant de publier la vidéo pour voir si vraiment le sujet était en adéquation avec les images que j'ai vues. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et à très bientôt.